Aujourd'hui, le 11e jour de Maheshvan, c'est la Hiloula de Rachel Imenu, notre matriarche Rachel. D'ailleurs, aujourd'hui, en Eretz Israël, au tombeau de Rachel, des centaines de milliers de juifs, de personnes qui viennent prier à son tombeau. Il y a un Midrash, Psirte Rabatia Echa, extraordinaire, qui nous raconte l'événement suivant. Yaakov, il a enterré Rachel à côté de la route, à Bethléem, sur la route. Et d'ailleurs, il demande à Yosef de ne pas être fâché contre lui de l'avoir fait. Et le Midrash nous dit la raison pourquoi il l'a fait. Puisque quand Am Israël, après la destruction du premier temple, ont été menés en chaîne en Babylonie, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Sarah Emenu, Rivka Emenu, elles sont tous venues prier à Kadosh Baruch Hu de pardonner à Israël et de les sauver de ce péril, de cet exil terrible. Et Dieu de leur dire, si vous aurez su à quel point ils ont commis des péchés contre moi, vous n'aurez pas demandé que je leur pardonne. Arrive Rachel et dit à Kadosh Baruch Hu, Ribbono shel Olam, moi, le jour de mon mariage, quand j'étais censé de marier mon mari Yaakov, qui a travaillé pour moi 7 ans, qu'on attendait impatiemment ce moment, et là j'ai vu que mon père, il amène Léa, l'habit de ma robe de mariage, la couvre avec mon voile et l'amène dans la tente de Yaakov. Réalisant que Léa sera mise en honte, puisque nous avons eu un secret, Yaakov et moi, on avait peur que c'est ça ce qui va arriver, on s'est donné un code secret. Quand j'ai vu que ma sœur sera mise en honte, je lui ai partagé ce secret. Pour que Yaakov pense que c'est elle, Rachel. Et en plus que cela, je me suis caché dans la chambre. Et quand Yaakov lui parlait, c'est moi qui répondais et pensait que c'est Rachel qu'il est en train de marier. Alors c'est moi j'ai pu consacrer mon mari pour ne pas faire la honte à ma sœur. Est-ce que tu ne pourrais pas pardonner à tes enfants? Dieu de répondre à Rachel, « Yesh schar lepoulatech. » Il y aura de la récompense pour ce que tu as fait. Et qu'est-ce qui sera la récompense? Je vais ramener tes enfants de l'exil. Eh bien, 70 ans plus tard, effectivement, ils sont sortis d'exil. Réalisons un peu ce que Rachel a fait. Rachel a consacré sa vie. Durant sa vie, elle était prête à consacrer son mari. Durant son vivant, elle s'est mise de côté pour sa sœur. Et plus que cela, durant sa mort, elle a laissé sa place d'enterrement à côté de Yaakov. Pourquoi faire? Pour être là quand ses enfants auront besoin de prier pour eux. Quand ses enfants partiront en exil, elle sera là et va prier à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu accepte ses prières et promet la libération. Rachel, la valeur numérique de Rachel, hébreu, est 238. La valeur numérique d'Eretz Israël est 832. Rachel est l'inverse d'Eretz Israël. Donc, nous prions à Kadosh Baruch Hu. Tel que tu as accessé sa prière alors, exauce sa prière aujourd'hui et ramène-nous tous ensemble aujourd'hui même. Et Rachel ne va plus pleurer, Rachel va rire et chanter avec nous dans le Beth Amikdash. Bien sûr, Rachel dans la galerie des femmes, les hommes dans la galerie des hommes. Et ensemble, nous allons réjouir dans la Goula absolue aujourd'hui même.